bienvenue à toutes et à tous dans ce live spécial ce soir. Une fois n'est pas coutume, vous savez que sur le guide de la voyance, on aime bien faire ce genre de live spécialement dédié aux prédictions. Et ce soir, nous avons un voyant hors pair, un médium, que dis-je, un médium voilà, hors pair, qui est Michael Lévy, qui va nous parler ce soir de sujets d'actualité et bien sûr de... Pas d'un sujet en particulier, mais de six sujets divers et variés sur lesquels il a perçu des choses qu'il va nous partager ce soir au cours de ce live. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. Vous allez voir, il y a pas mal de rebondissements, pas mal de belles surprises ou moments peut-être un peu compliqués qui nous attendent aussi pour 2023 et un peu plus loin aussi dans le temps. Restez donc avec nous, comme dit, jusqu'au bout. Petit rappel aussi, n'oubliez pas de vous abonner comme à chaque fois sur la chaîne du Guide de la Voyance pour ne rater aucun live, aucune émission. Enfin, et bien sûr, à activer la petite cloche pour les notifications pour vous faire rappeler justement qu'un live a lieu sur cette même chaîne. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat, voilà, que ce soit sur la page Facebook ou sur les guides YouTube. Vous inquiétez pas, j'y ai accès facilement. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à mettre vos remarques par rapport à ce que Michael va nous partager aujourd'hui. Je vous demande tout de suite d'accueillir, bien sûr, notre invité ce soir qui est Michael Lévy. Bonsoir, Michael. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live ce soir. Merci. Riche en prédictions, alors, puisqu'on a quand même un sacré tour d'horizon, en fait, puisqu'on a prévu, enfin, vous avez prévu de nous parler de plusieurs sujets d'actualité. Avant de démarrer, peut-être, Michael, ce serait intéressant de rapidement vous présenter, même si sur le guide de la voyance, on a l'habitude, on vous connaît bien. J'ai perdu votre caméra, Michel. Michael, on a perdu votre image. Est-ce que vous êtes toujours là? Aha. Alors oui, je tiens juste à rappeler que Michael nous fait Je ce suis live depuis là. le... Voilà, il est revenu. Nous fait ce live depuis le Sri Lanka, si j'ai bien compris. Vous m'entendez? Oui, bien. J'ai plus de son. Ah, plus de son. Moi, je vous entends bien. Moi, je vous entends bien. Et vous? Ah, ça y est. Il est parti, il est déconnecté. Donc oui, c'est les aléas du direct. Comme je vous disais, il nous contacte depuis pour faire ce live ce soir depuis le Sri Lanka. Donc il y aura peut-être quelques décalages au niveau technique qui sont indépendants de notre volonté. En tout cas, je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à être présents ce soir. Merci beaucoup de votre présence pour ce live spécial prédiction avec Michael Lévy qui Vous arrive. m'entendez, Nathalie? Super. Bon. C'est bon, ça refonctionne. Tout est parfait. Donc oui, je disais, peut-être que vous pourriez prendre une ou deux minutes pour vous présenter dans les grandes lignes, expliquer qui vous êtes, même si sur le guide de la voyance, on a l'habitude de vous voir. Peut-être qu'il y a des nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui nous regardent et ce serait bien en deux mots, vous décrire qui vous êtes et voilà, comment vous êtes arrivé dans cette médiumnité que l'on connaît et à faire ces prédictions comme par exemple ce soir. Je vous laisse la parole. Bah écoutez, c'est un peu compliqué parce que je pense que je vis avec ça depuis toujours et un médium est habité par beaucoup de paradoxes, c'est-à-dire qu'on voit du bien, on voit du mal et dans notre sensibilité de médium, on a toujours envie d'expliquer, on a envie d'aller vers les autres, les prévenir. En ce qui me concerne, je pense que je peux me présenter comme déjà un très grand fervent protecteur de toutes sortes de vies. J'aime les gens, j'aime l'humanité, même si l'humanité parfois me fait peur, elle est un peu folle. Et pour me dire que aussi, chacun a son chemin en fait. Il faut pas suivre le chemin de l'autre, il faut essayer de se comprendre, prendre le temps, vraiment prendre le temps de se rencontrer. J'ai envie de dire, et de se donner un vrai rendez-vous avec soi-même pour essayer de gagner du temps, pour ne pas passer à côté de nous-mêmes. Donc un médium, ça sert aussi à ça. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à Kalissa, qui a dit des choses très vraies. Ah,
Ça y est, de médium nouveau. ou une voyante ou un voyant ne peut pas tout résoudre. Par contre, on nous traite souvent de charlatans, de beaucoup de qualificatifs, mais on ne dit jamais aussi le nombre de gens qu'on a pu aider. Peut-être qu'on a pu sauver aussi, sans prétention. Et puis, il y a des métiers, je les appelle les escrocs à col blanc. C'est pas grave s'ils m'écoutent. Je pense que dans toute profession, il y a des gens compétents, il y a des gens aussi qui le font que pour l'argent. Moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre le temps de vivre ma vie pour vivre mes passions, la médiumnité, bien sûr, puis la protection des, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes sortes de vies, les végétaux que j'adore aussi, bien sûr. Donc, c'est très important d'aimer ce qu'on fait. J'ai la chance, vraiment, je le sais, je suis conscient, de pouvoir quand même en vivre. Mais je sais aussi que parfois, il faut que je m'arrête parce que ça peut me faire du mal à moi-même. Et c'est tellement lourd de responsabilité de donner des prédictions tous les jours à chacun, car chaque parcours est différent. Chaque personne a son chemin, comme je l'ai dit. Et je pense qu'on est tous à des carrefours parfois. On est un peu perdu. On ne sait plus quelle route on doit finalement. Est-ce qu'on doit aller tout droit? En tout cas, jamais faire marche arrière, mais est-ce qu'on doit prendre à droite, à gauche? Est-ce qu'on doit stagner? Je pense qu'un médium sert à ça. On n'est pas À aimé, bien guider. sûr, je sais qu'on n'est pas aimé, ni par les Exactement. psychologues, ni par, d'ailleurs, par la société, il faut le dire, on est des marginaux, on est des saltimbanques. Seulement, ce qui me rassure, c'est qu'on a toujours besoin de nous. Et Claude Alexis a dit une très belle phrase un jour, la voyance, personne n'y croit, mais tout le monde veut savoir. D'ailleurs, Exactement. même les politiques consultent. Moi-même, je consulte les politiques. Donc, je pense que du ministre au lycéen, de la pauvre vendeuse, quand je dis la pauvre, avec son petit salaire, ou à celle qui est députée ou magistrate, je pense qu'on est, j'irais pas dire qu'on devrait être reconnu d'utilité publique, mais pourquoi pas? Et Calissa a raison, il faut encadrer cette profession. Et le jour où on Et l'encadrera bien, on pourra se Kalissa, dire qu'elle a, justement, Kalissa, on sert justement, à qui est quelque là chose. ce soir. Bonsoir, Kalissa. Elle nous dit Bon, j'entends merci, plus rien. Michael. Oui, je Allô? disais, oui, tu Ah, pas m'entends? de son. Non, le son est coupé. Allô, allô? Oui, ben, on va laisser Décidément. Michael se reconnecter Vous au son. m'entendez? Enfin, moi, je vous entends toujours. J'entends pas. Ça va venir. Décidément. Alors, On a un problème de son. est-ce que là le son est meilleur? En tout cas, Est-ce que vous Kalissa, m'entendez? oui, moi je vous entends, Michael, toujours. Oui, très bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas. Alors, là pour l'instant, la connexion à nouveau a été perdue. Donc, je reviens sur Kalissa. Bonsoir, Kalissa. Merci d'être avec nous ce soir. Et elle disait justement merci à Michael pour ce petit message qu'elle lui a transmis, et puis aussi le fait voilà, que Michael est un médium humaniste et intègre. Merci Kalissa pour ce petit message, je transmettrai. Michael, le son est meilleur là? Ça y est? Nickel. Donc je disais justement que Kalissa était avec nous ce soir et elle te remerciait pour ton petit clin d'œil, Ah, et merci. aussi, comme elle te disait, que tu es un médium humaniste et intègre. Voilà pour le petit Gentil, message ça me qui touche est beaucoup. transmis. Ça me touche beaucoup. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le premier sujet qui nous intéresse. On parlait justement de votre côté amoureux de la nature, amoureux de toute forme de vie, et vous avez eu des ressentis, peut-être des prémonitions, des prédictions à nous transmettre justement au sujet de la Terre et ses différentes formes de vie. Alors, qu'est-ce que vous auriez à nous dire à ce sujet? Alors, surtout, je préviens, même quand je consulte sur un plan personnel, je ne vais pas dire trois mots pour en dire un, je vais simplement aller directement vers mes convictions. L'être humain n'a pas encore compris les leçons, alors que la Terre, elle est tout le temps là pour prévenir. Donc, ça n'est pas du tout du pessimisme. J'ai envie de surtout qu'on prenne conscience, la première des choses, c'est de la surpopulation humaine. Il y a deux choses qui me font très peur et qui me reviennent tout le temps en tête, et je sais que c'est en train d'arriver. C'est déjà là.
aucun gouvernement prend les mesures nécessaires. Il y avait la Chine qui s'en était un peu occupée pour restreindre un peu les naissances, puis c'est vite revenu à la normale. Alors, il y a ça. Et puis, paradoxalement, les animaux que j'aime ont fait disparaître, si vous voulez. Alors, on fait des élevages intensifs. Tout le monde, évidemment, le sait, que ce soit pour les, que ce soit pour les volatiles, que ce soit pour les, voilà, pour les la consommation de viande, comme les bœufs, enfin, tout ce qui est, voilà, hein, viande. Mais au détriment, toujours, des espèces d'animaux sauvages. Donc, si vous voulez, tout est paradoxal. Et cet être humain doit comprendre qu'on devra arrêter, réguler les naissances. Là, on va vraiment dans le mur, mais vraiment, je le vois. Et aussi, j'adore, évidemment, les chats, les chiens, j'en ai. Mais quand on sait qu'on a, je ne sais pas combien de millions d'animaux domestiques, on devrait s'interroger aussi, de se dire, on ne devrait pas peut-être faire une moyenne, de se dire que l'animal sauvage a sa place, vraiment à sa place. Dans quelques années, les enfants verront les éléphants comme nous aujourd'hui, on voit les dinosaures sur des photos, sur des peut-être des, voilà, sur des choses peut-être imaginaires. Il est encore temps de sauver la Terre, je le sais. Qu'on arrête ce plastique, ce plastique qui étouffe, qui envahit, pour lequel, encore je l'avais dit la dernière fois, il est plus facile de fabriquer que de recycler. On le sait. Mais évidemment, ça rapporte de l'argent. Car tout ce qui est emballage, c'est comme le pétrole, c'est comme les cigarettes, ça rapporte énormément d'argent à tous les gouvernements. On le sait. Mais personne n'arrête. C'est ça qui est grave. Alors, ce qui me fait surtout vraiment mal, mais vraiment mal, parce que moi, je suis comme tout le monde. Moi, je me définis comme quelqu'un qui a un sens de perception peut-être plus développé que la normale, au même titre que quelqu'un qui serait construire une maison ou réparer une voiture que je ne saurais peut-être pas faire, même pas du tout d'ailleurs. Mais la Terre et ses formes de vie, on va aussi vers les famines. Et oui, c'est inévitable. Alors, deux choses. On arrête de se reproduire à une fréquence galopante et qu'on arrête surtout de faire manger de la viande tous les jours aux gens. En dehors de la souffrance animale. Parce qu'on va peut-être me dire, oui, il aime les animaux. Mais il n'y a pas que ça. Les CO2 que produisent les excréments, hein, en Argentine et au Brésil, de toutes ces viandes qui sont consommées et qui sont aussi importées, mais c'est inimaginable. Donc ça, déjà, je voudrais vraiment pousser ce cri d'alarme. Alors, pour ce qui est de la protection aussi, parce qu'on sait très bien que pour faire brouter les veaux, les bœufs, les tout ça, les moutons et tout, bah, il nous faut des pâturages. Et pour avoir des pâturages toujours bien verts, bah, souvent on est obligé de couper et de détruire des forêts. Donc, c'est très important de le dire. On peut réguler. Voilà. La régulation, et doit être de mise. On est trop dans l'excès. On est tout le temps dans l'excès. L'être humain est toujours en train de se lancer des défis comme s'il était le roi du monde, comme s'il pouvait se permettre de tout faire. Moi, quand j'étais enfant, il y a des choses qui me tenaient tellement à cœur parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand on avait nos jeudis, parce qu'avant, c'était les jeudis, qu'on n'avait pas d'école, eh bien, avec mon frère, on allait pêcher les petites épinoches. On n'avait même pas d'hameçon, on avait des agrafes et on les relâchait. Mais aujourd'hui, quand je retourne dans ces endroits-là, qui sont le bois de Vincennes ou des coins très proches de Paris, qu'est-ce qui reste? Des moineaux? Des pigeons? C'est devenu un miracle aujourd'hui de voir un animal dans une forêt. C'est un miracle. Donc on arrête de transformer cette terre en cimetière. Tiens, j'ai fait un jeu de mots. La terre ne doit pas être un cimetière. La terre, elle est synonyme de vie qu'on doit justement embellir, reproduire et surtout protéger. Et les arbres, que j'adore aussi, on l'oublie souvent. Aujourd'hui, regardez, on veut faire des murs végétalisés. C'est ridicule. On a tout simplement arrêté de détruire. Voilà. Ça me tient vraiment à cœur. Et les famines, on va y arriver, Nathalie. Sur les vraiment, famines je les vois aussi, les famines. Oui.
C'est sûr, la surpopulation, ça engendre souvent ce côté surconsommation. Et voilà, quand on n'a plus de production, on baisse finalement aussi dans la population, puisque voilà, on est trop nombreux et on ne peut plus nourrir tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Merci en tout cas pour cette première vision. Et peut-être qu'on va rester concentré sur l'humain pour aborder la deuxième problématique qui est liée à l'immigration cette fois-ci. Alors, l'immigration est un sujet très délicat à aborder, complexe, très complexe. Mais déjà, je vais commencer par une chose, comme ça les choses sont bien claires pour tous ceux qui nous écoutent. Il faut savoir que l'être humain doit pouvoir se déplacer là où il a envie. C'est-à-dire que pourquoi nous, qui avons un passeport rouge, pouvons aller où on veut? Pourquoi d'autres pays ne pourraient pas venir, ne serait-ce que, voilà, nous rendre visite ou même pourquoi pas s'installer. Après, on va commencer par une chose qui me tient vraiment à cœur et je crois au karma et je pense qu'il y en a beaucoup qui y croient. Et moi, je pense que j'ai deux visions du karma. Alors, il y a la première qui est le karma pour les gens, c'est une réincarnation où on paye tout ce qu'on a fait sur une vie antérieure. Moi, je respecte évidemment toutes sortes de croyances, mais je. Mon karma, moi, il est, si vous voulez, dans la vie d'aujourd'hui, dans notre passage, et je vais insister, notre passage éclair sur Terre, car on n'est que des passages. Et quand on enlève la petite enfance, quand on enlève le nombre d'heures qu'on passe à dormir ou à travailler, et notre vieillesse qui malheureusement nous diminue, et qu'est-ce qui reste pour profiter? Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. Alors, mon karma à moi, c'est quoi? Par rapport à l'immigration, beaucoup de nations, la France déjà, qui est installée dans beaucoup d'endroits, en Afrique notamment, s'est permis d'aller chercher des richesses ailleurs, s'est permis d'exploiter aussi des choses. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a les États-Unis, il y a énormément. L'Australie, qui est obligée aussi, comme les États-Unis, d'exterminer la population des autochtones, on va dire. Les Indiens. Et regardez aujourd'hui ces pays dont nous, on se retrouve nous-mêmes envahis et on ne sait plus comment réguler. Avant, on avait créé l'Europe en se disant qu'on avait une force, puisqu'on dit toujours que l'union, évidemment, fait la force. On s'aperçoit que chacun s'envoie les mauvais boulets et ne veut pas s'encombrer, notamment sur l'Italie. Et j'aime bien parler de l'Italie parce que, malheureusement, stratégiquement, sur le plan géographique, elle n'est pas la mieux lotie. On le sait, mais l'Italie aussi, dans la Rome antique, elle a aussi beaucoup, beaucoup pris dans d'autres endroits, parce qu'on oublie la Grèce antique, la Rome antique, aujourd'hui payent leur karma. C'est triste, mais c'est une réalité, Nathalie. Je voudrais tellement que les gens croient au karma. On paye ce qu'on fait, il faut le croire. On ne paye pas tout de suite. On ne reçoit pas toujours à qui on donne ou à qui on fait du mal. On ne sait pas pourquoi un jour, paf, on a quelque chose qui nous tombe dessus. Il y a toujours une cause à effet. Donc tous ces pays qui se retrouvent aujourd'hui avec des Africains, des Asiatiques, qui payent de leur vie pour venir chez nous ou ailleurs, ben, on l'a bien cherché. Donc tout est une question, en fin de compte, encore une fois, d'équilibre. Moi j'adore ce mot. L'équilibre, il faut le mettre dans tous les domaines. Les naissances, et voilà, dans tout. Donc, évidemment, on essaie de faire du yo-yo. On les reçoit parce qu'ils sont émigrés, réfugiés politiques. On les reçoit parce qu'ils sont étudiants. Voilà, on les juge, on les jauge. Donc, cette immigration, moi, je la vois depuis longtemps, comme j'avais expliqué le 5 décembre et dans mes conférences, j'ai vraiment vu un voile noir, mais vraiment un voile noir qui montait et qui montait d'où? Quand on regarde l'Afrique par rapport à l'Europe, l'Europe est en haut. Voilà, c'est en train de monter. Et là, à partir du mois de juin, dans 2 mois, ça va être vraiment très difficile à gérer. Très difficile. Donc des moments pas simples à vivre finalement qui nous attendent du point de vue peut-être de l'immigration. On l'a vu tout à l'heure aussi, peut-être c'est indirectement lié aussi à la sur... enfin,
la surpopulation liée indirectement aussi au système d'immigration qui peut avoir lieu par rapport aux prédictions que vous nous faites ce soir, quoi aussi. Bah, c'est-à-dire que pour moi, l'immigration doit être régulée, bien évidemment, puisqu'il y a même des pays, quand on regarde bien, qui n'acceptent pas trop longtemps qu'on soit touriste ou qu'on devienne un petit peu, on va dire, expat, hein. Ils posent des conditions. Donc tous les pays doivent poser des conditions. Après, les réglementations, c'est vrai que c'est toujours très compliqué à satisfaire tout le monde. Je peux le concevoir. Mais par rapport à l'immigration, Nathalie, si vous voulez, c'est un sujet qui dérange. Et tout le monde en a marre de voir les étrangers les envahir. Mais je pense aussi que si on va en Afrique, nous, qu'on a des belles maisons, qu'on est bien installé, ça doit faire grincer des dents aussi les gens. Bien sûr que tout le monde ne peut pas s'exprimer librement comme en France, par exemple. Donc il y a beaucoup de gens qui sont obligés de se taire. Mais voilà, c'est une question encore une fois d'équilibre, une question d'éthique aussi. On doit traiter les gens, les êtres humains, à pareil, à la même, à la, au, au, au même base. Aux mêmes critères, je dirais. Un étranger qui veut venir en France, je pense que il n'a pas moins de droits que nous quand on va chez eux. Moi, je vis une partie de l'année un peu en Tunisie, un peu au Sri Lanka, pour des raisons beaucoup, on va dire par rapport aux animaux, justement, car j'adore les éléphants. Et au Sri Lanka, ben, j'aide deux refuges. Enfin, c'est des orphelinats, exactement. Et c'est vraiment passionnant pour moi. Mais je suis très bien reçu. Alors, je pense que un immigré, par exemple, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais qui sait bien se comporter, qui s'adapte, on doit lui laisser sa chance. Le problème, Nathalie, c'est que tous ces immigrés qui veulent monter en Europe, au péril de leur vie, hein, et beaucoup d'ailleurs sont morts et vont encore mourir. De plus en plus, ces gens-là n'ont rien à perdre. N'ont rien à perdre. Et on peut les comprendre. Mais c'est au gouvernement de mettre de la transparence. Parce que quand on regarde, on les sauve en mer, après on les met un petit peu, on les parque un peu, hein, comme des pauvres animaux, on va dire. Donc cette immigration, elle doit être régulée. Mais là, par contre, on va vraiment, Nathalie, faut s'y préparer. Ça va être banal. On aura autant de noirs que de blancs. On aura autant d'asiatiques. Tout est mélangé. On ne fait plus attention. Bien sûr, quand on va à Paris, on s'en rend vraiment compte. La dernière fois que j'étais à Paris, je me suis dit, vraiment là, il y en a plus qu'avant. Mais c'est juste une constatation. Ça n'a aucune connotation raciste. Mais je me rends compte aussi qu'on ne pourra pas la réguler. Comment ils arrivent? Ils arrivent, même s'ils ne peuvent pas prendre l'avion et que leur bateau, s'échoue. Ils trouveront toujours le moyen. Donc, il faut vraiment que tous les gouvernements s'installent, discutent, comme pour le climat d'ailleurs. Et on peut toujours trouver des solutions. Je pense que c'est comme un enfant qui a 14 ans, on l'interdit de fumer. Il va se cacher dans les toilettes. Si on lui dit tu peux fumer, mais fais attention, il fumera peut-être moins. Donc, tout ce qui est interdit devient toujours forcément des challenges. Et c'est comme ça, l'être humain est en permanence avec des défis. Donc, cette immigration, vraiment, Nathalie, on va vraiment La on va sentir pas dire qu'on va passer, la oui. subir, on va la supporter. C'est comme ça. Et là, le karma rentre vraiment en ligne de compte. Parce que nous-mêmes, on a été envahir ces pays-là. Donc, on arrête de s'étonner. Œil pour œil, comme on dit hein, dans la loi du talion. Pardon? Œil pour œil, comme on dit dans la loi du talion. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. C'est un petit Regardez, peu Nathalie, quand on regarde ce qu'a fait la Rome antique, c'était l'équivalent des Allemands pendant la guerre 14-18 et la guerre 40, je ne sais plus combien. Mais on a oublié ça. La Grèce aussi. Et regardez la Grèce, malheureusement pour les Grecs. C'est devenu presque un pays pauvre. Si certains pays, encore une fois, comme le Portugal, n'est pas soutenu par d'autres pays européens, ce sont des nations
qui vont vers le bas. C'est des constatations. Et moi, je le sais que c'est le karma qui leur revient, puisque vous avez parlé du boomerang, c'est le karma qui rentre en ligne de compte. Qui revient. Eh oui, et la Merci. France, elle n'est pas non plus épargnée. Merci Mickaël pour ces prédictions justement par rapport à ce sujet d'immigration. Enfin, un autre sujet d'actualité qu'on voulait aborder, que vous vouliez aborder ce soir, vous aviez déjà évoqué le sujet précédemment, c'était en ce qui concerne l'arrivée d'un nouveau virus. Ça intrigue Alors, beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure hors antenne, c'est vrai que une personne sur trois, avant c'était une personne sur deux, puisque je l'ai mis sur papier, hein, donc les virus, je les ai annoncés, c'est vérifiable, en toute modestie, comme l'élection de Macron, deux fois de suite. J'ai dit que le premier virus viendrait de la consommation de viande animale. Ça peut être animal sauvage, ça peut être animal aussi d'élevage, animal. Le deuxième, puisqu'on parle du nouveau virus, je l'avais dit un peu le 5 décembre, on ne va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Je pense que le deuxième virus, Nathalie, va provenir, et je le ressens, ça a donné des idées, malheureusement, à des grandes nations, puisque de tout temps, encore une fois, l'être humain veut toujours être victorieux et toujours avide de puissance, hein. Donc certains, on va dire fanatiques, je ne donnerai pas les noms, vont se croire les rois du monde et vont, d'ailleurs c'est en train de se faire dans les laboratoires, on est en train d'inventer un virus pour éliminer énormément, mais cette fois-là des millions d'êtres humains. Sauf que la dernière fois, Jean-Luc m'avait posé la question, pourquoi il n'est pas encore là? Je vais répondre un peu comme la question quand on me dit, est-ce que je gagnerai au loto? Eh bien non, et si je voyais les numéros, évidemment, je les garderais bien pour moi. Ou je les donnerais peut-être à des gens qui le méritent. Mais pour revenir à cette histoire de virus, j'ai tout simplement dit, et non, parce que les pays, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui est en train justement de se concurrencer à celui qui trouvera, c'est comme un nouveau médicament. Celui qui va trouver le nouveau virus pour éliminer énormément d'êtres humains, eh bien, même si le virus, il l'a déjà mis en congélation ou qu'il l'a déjà créé, il a besoin d'avoir le vaccin pour protéger sa propre population. C'est tout bête. Il fallait y penser. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore. Il n'a pas encore on va dire ce pays, cette nation. Je peux donner des noms. L'Iran, les États-Unis, la Chine, bien sûr, la Chine. Tout à l'heure, on en reparlera, d'ailleurs, très important, la Russie. Mais on n'a pas trouvé ce qui pourrait protéger leur propre population. Alors, je vois ça d'ici 3 ans, quand même. On a le temps de respirer. Ouais. Mais c'est quand même... C'est pas tous les êtres humains qui vont disparaître. Contrairement à ce que la dernière fois, on a voulu me faire dire, pas par vous, hein, mais après, j'ai eu des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit, ah, on va tous mourir. Non, on ne va pas tous mourir. Regardez, on est encore là, en 2023. Par contre, une toute petite précision, il y a 6 ans, donc j'avais vu le chiffre 28. Et ça, si vous voulez, Nathalie, c'est pas une boule de feu. J'ai vu vraiment beaucoup de flammes, j'ai vu vraiment beaucoup de choses qui partaient vraiment dans le feu. C'est la Terre qui ne va pas imploser, si vous voulez, dans 28 ans. Alors maintenant, comme ça fait 6 ans, on va dire dans 22 ans, non. C'est que c'est déjà avant, c'est en train, ça continue. Il reste 22 ans pour moi, puisque j'ai retiré 6 ans par rapport à ma première interprétation. Ça m'a réveillé plusieurs fois dans 2 nuits, le chiffre 28, pourquoi 28? Et après, j'ai pu comprendre. 22 ans pour que la Terre, elle implose réellement. Et là, ça n'est pas de la pédagogie, c'est vraiment de la médiumnité. Là, on va vraiment basculer.
puisqu'on est passé de l'ère glaciaire, on était à l'ère glaciaire à l'époque des mammouths et tout le monde le sait. Là, vraiment, on part sur une ère solaire. Alors, quand je dis solaire, qu'on ne confonde pas, Nathalie, avec le réchauffement climatique. C'est deux choses totalement différentes. C'est simplement, c'est que la Terre, elle a aussi ses caprices et elle a aussi ses mouvements, comme des tremblements de terre, comme des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a un volcan qui se réveille, pof, il nous construit une petite île au milieu de la mer. Voilà, c'est les effets de la Terre qui est toujours en perpétuelle ébullition, on va dire ça. Donc, à ne pas confondre. Mais par contre, d'ici 22 ans, on ne peut pas forcément empêcher ça. On peut arrêter certaines choses, mais on n'empêchera pas cette implosion. Et l'ère solaire est là. Alors, quand on détruit la couche d'ozone, bien évidemment, ça accentue, puisque on sait très bien qu'il n'y a plus de protection. Et là, on subit non seulement des maladies, on voit bien d'ailleurs les végétaux qui sont en train de roussir, et tout le reste. Mais, encore une fois, le réchauffement climatique bouscule, je vais dire même, il accélère. Alors, c'est peut-être pessimiste, mais on ne mourra pas tous, encore une fois. On va s'adapter. On s'adaptera. Eh bien, on est en pleine mauvaise posture, j'ai envie de dire, finalement. La destinée de l'être humain a l'air assez scellée, finalement, avec déjà un petit peu de tous les côtés. On remarque que quelque part, on arrive peut-être au bout d'une ère, au bout d'un cycle, quand je vous entends. Il y aurait... Est-ce que finalement, par rapport à... Alors, c'est une question qui n'a rien à voir, mais est-ce que par rapport à tout ce qu'on a déjà énoncé comme sujet, j'y espère et j'imagine que oui, on a quand même des moyens de s'en sortir de toutes ces situations qui sont un petit peu... qui dénotent un peu la fin de l'humain, finalement, quelque part. Je suis tout à fait optimiste pour ça, vraiment. Je ne peux rien faire, moi, tout seul, comme vous, Nathalie. C'est un cri vraiment qui est lancé dans une montagne, peut-être avec un écho. Nous, les médiums, on a ça en nous. On a besoin de parler, on a besoin de diffuser. Si les gouvernements prennent conscience de la parole de chaque citoyen du monde, j'ai bien dit, autant un Sénégalais qu'un Népalais, autant... Mais ils s'en fichent. Parce que quand on dit gouvernement, on pense tout de suite à avide de pouvoir. Alors oui, on peut. Encore une fois, on reviendrait peut-être pour le premier sujet, la surpopulation, déjà, et d'arrêter cette consommation à outrance, de faire absolument faire l'amalgame, Nathalie, que plus on va produire de viande, plus on aura l'impression de nourrir la population humaine. Ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Moi, je ne mange pas de viande depuis 12 ans et je ne crois pas que ça se voit sur mon visage. Je ne crois pas que je suis anémié. Donc, il faut que... Voilà, on peut en manger. Mais encore une fois, hormis la souffrance animale, on est toujours dans cet excès. Alors oui, on peut y arriver, Nathalie, pour répondre à juste titre à votre question, à condition que vraiment... Ce n'est pas que dans 3 heures, tout le monde a oublié. C'est que c'est une espèce d'hygiène de vie quotidienne qu'on arrête... Encore une fois, le plastique, qu'on arrête tout ça, qu'on arrête d'aller chercher ces packs d'eau. Moi, je n'en prends pas des packs d'eau. Je bois mon eau au robinet. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que je suis rempli de microbes, mais de toute façon, on est rempli de microbes. Et puis, je me dis que tout le monde sait qu'on est à 70%, l'être humain est composé d'eau. Donc, voilà. J'ai peut-être de l'eau qui gargouille, qui est peut-être. Voilà, je m'en fiche. Mais, à mon échelle, je me dis, pourquoi tout le monde ne le ferait pas? Alors, on n'est pas obligé de faire tous les mêmes gestes. Et d'ailleurs, j'ai un beau message à la fin de ce live. Je vais le dire maintenant, comme ça, je n'oublie pas. Peut-être que je le répéterai. On peut tous aider un animal, tous aider un être humain et tous planter un arbre. C'est ma devise. Je vous assure que le monde serait tellement plus merveilleux. Mais vraiment, chacun à son échelle. Il n'y a pas que les riches qui peuvent aider. Et d'ailleurs, souvent, quand on regarde bien les dons, c'est souvent les gens... qui ne sont pas très riches, qui donnent. Donc, chacun à son échelle peut. On peut sauver la Terre, on peut sauver les humains, on peut sauver toute forme de vie, et on peut surtout
ne pas penser qu'à soi. Moi, je vois souvent les gens sur la Côte d'Azur, notamment parce que j'y vis aussi, avec des très belles maisons, des belles voitures, des belles piscines, mais toujours, bien sûr, très clôturées. Et la plupart du temps, on ne se soucie pas de ce qui se passe derrière la clôture. Alors que juste derrière la clôture, il se passe tellement de choses horribles. Mais on est dans une égocentricité et dans un égoïsme personnifié. Et avec ce virus, avec ce corona, on pensait tous qu'on allait être les uns avec les autres. Et beaucoup de gens me l'ont dit d'ailleurs. Ben, malheureusement, ça a été un peu le contraire. Ça a été un peu le contraire. Les gens ont tiré un peu la couverture vers eux. Parce que tout le monde a peur de mourir, Nathalie. Évidemment. Tout le monde a peur de mourir. Alors, je crois que c'est la plus grande peur de l'homme hein, qui existe. On se surprotège. Mais vous connaissez le proverbe, la peur n'évite pas le danger. Ouais. Il faut prendre des risques. En tout cas, ces risques, il faut les prendre. Moi, je me dis aussi que ce n'est pas important. On est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est de passage sur Terre. Mais faire des choses qu'on aime et surtout prendre conscience de la vie qui n'a vraiment aucun prix et aucun... Voilà, tout est à embellir, tout est à envisager. Chacun... Nathalie, j'insiste pour dire que demain, après-demain et le surlendemain, il faut que ce soit dans la tête. À l'école, on devrait informer les enfants. Inculquer ça, oui. Cette manière de voir le monde, oui, exactement. Au lieu de leur mettre dans la tête que des maths, parce que ça sert peut-être les maths, mais ça sert à quoi vraiment quand on regarde tout ce qu'on leur met dans la tête aux gamins ? Qu'on leur enseigne les choses principales, la vie, le respect. Il y a certaines écoles, je ne sais plus, je crois que c'est en Finlande ou dans un pays au nord, comme ça, où justement les écoles se font en partie dans les forêts, en nature, et on apprend l'essence des arbres, à respecter la vie, magnifique. etc. Quoi. Ça commence quand même à rentrer dans certains milieux éducatifs, mais forcément pas partout, quoi, dans tous les pays, mais on a quand même un peu de certains axes comme ça qui se profilent. Donc, ce Merci. Virus, Nathalie, il arrivera d'ici 3 ans. Ok. Bon, on se reverra d'ici 3 ans pour voir si les choses ont évolué. On aura pris un peu de ride, mais on sera peut-être en... Voilà. Quand on aura besoin de nous, on sera là. Un nouveau sujet ce soir dans ce live prédiction, Michael. Ça y est, j'ai nouveau perdu l'image. Ah, mais parce que les gens m'appellent. Allez-y, Nathalie. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les gens ce soir, c'est ce fameux conflit qu'on peut avoir avec la Russie. Alors, quelles sont justement vos prédictions à ce sujet-là ? Alors, ça, que les choses sont encore très claires. Quand j'ai écrit mon livre il y a quelques années, « Je ne vous vois pas comme les autres », il a été remasterisé par la télé, par quelqu'un de la télé qui a eu la gentillesse de me remettre les prédictions en avant, parce que j'en avais d'autres à donner, donc on l'a reformulé. J'ai parlé effectivement de la Russie, mais il faut savoir que la Russie n'arrivera pas à envahir l'Europe. Comme ça, les choses soient claires. Alors évidemment, ça fait de la surenchère par rapport à tout ce qui est énergie, électricité et tout le reste. Évidemment, ça crée énormément de peur, énormément de crainte, puisqu'il y a des pays qui sont, on va dire, dépendants de la Russie, hein, sur certaines, on va dire, comme j'ai dit, sur certaines énergies, notamment l'électricité et d'autres choses peut-être. Mais la Russie n'est pas vraiment un danger pour moi. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la Russie a fait craindre le monde, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas été justement confronté à quelque chose d'aussi brusque. Alors, l'Ukraine, qui faisait partie à l'époque, on ne va pas refaire l'histoire, Nathalie, mais si les gens se penchent un peu sur les livres d'histoire, on s'apercevra que l'Ukraine faisait partie de la Russie. Donc, pour ne pas nommer Vladimir Poutine, il voudrait refaire un petit peu l'époque des tsars. C'est impossible, puisque tout a été, on va dire, redessiné, les cartes du monde ont été redessinées. Donc, il me paraît très compliqué. Alors, si on parle de la peur pour la Russie, pour l'Europe, rien à craindre. Par contre,
je l'ai aussi marqué. La Chine est complètement, mais complètement avide, encore plus que la Russie. Et la Russie sans la Chine, elle n'est rien. Il faut le savoir. Et la Chine est en train de dépasser les États-Unis. C'est-à-dire que là, maintenant, on a cette Chine qui est là, bah, pour le coup, tellement nombreux au niveau de la population, qui peuvent se permettre. Alors, il ne faut pas confondre invasion et surtout invasif. Hein? L'invasion, on va justement être confronté. Mais on va surtout être confronté à ce que la Chine, elle va vraiment vouloir s'accaparer. C'est déjà le cas. Hein? C'est déjà le cas. Elle a déjà voulu s'accaparer de certains petits pays, hein? Comme le Bhoutan ou certains pays. D'accord? Qui les mettent d'ailleurs vraiment dans des états de horrible. Mais on ne va pas faire de politique ce soir. La Chine va aider la Russie. Mais la Chine, elle, elle sait ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle est très mal vue en ce moment par beaucoup de pays, par beaucoup de nations qui sont en train de leur tourner le dos. Voilà, je pense notamment aux Philippines, à certains pays qui, aussi asiatiques qui leur montrent que voilà, on n'a pas peur de vous. Peu importe ce que vous ce que vous mijotez, ce que vous êtes en train de préparer contre le monde, il y en a qui leur vraiment qui leur font front. Ils ont raison. La Russie, elle n'est rien, je répète, sans la Chine. C'est la Chine qui va vraiment créer, et là on peut le dire, c'est pas joli à entendre, c'est pas forcément le terme adéquat. On est déjà en guerre, Nathalie. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que c'est ridicule de dire troisième, quatrième guerre mondiale. On est déjà en guerre. On est en guerre économique. C'est déjà une guerre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une guerre ? On est forcément soumis à des privations, tout le temps à des conflits permanents, en restrictions. Donc, on est déjà en guerre. Et cette Chine va encore plus marquer le coup en, justement, en montrant ses armes. Et là, le nucléaire revient. Là, le nucléaire va revenir. Ça viendra de la Chine. Les États-Unis vont être beaucoup moins fiers qu'il y a des décennies en avant. Parce que là, ils vont faire face à quelqu'un qui s'est déjà bien préparé et qui déjà est en train d'être la première puissance mondiale. Donc la Chine n'a pas encore assez. D'ailleurs, je vais vous dire une chose sur la Chine qui est très importante, beaucoup de gens ne le savent pas. La Chine est en train d'acheter presque toute l'Afrique. Car le seul continent qui n'est pas encore trop, on va dire, d'accord, il est très habité là, ce continent d'Afrique, mais il n'est pas très exploité par rapport au nôtre, hein, l'Europe, par rapport à l'Asie, voilà. Donc, il faut savoir que la Chine, elle a tellement pollué ses propres terres, elle a tellement aussi tiré sur tout, qu'elle est en train d'acheter des terres céréalières. Ça veut dire qu'elle se prépare à faire ses greniers, hein, ses réserves, en Afrique. La Chine est vraiment invasive. Il ne faut pas oublier ce terme. Donc, elle va être, même si elle est un peu poussée quand on regarde la carte géographique, mais elle va vraiment. Ça, je le vois vraiment, Nathalie. Ouais. Faut se préparer. Mais de toute façon, on le voit déjà aujourd'hui aussi avec la Chine, de façon, comme vous le disiez justement, de manière économique. Hein, difficile d'acheter un produit aujourd'hui qui n'est pas made in China. Hein. C'est un peu alors compliqué. Qu'on sait tous que c'est la mauvaise qualité, en plus, on le sait. Et on regarde toujours les prix. Oui, c'est ça. On cherche toujours le prix le moins cher. C'est qu'il y a un paradoxe avec cette Chine. Parce que cette Chine qui est, c'est vrai, qui est très prospère, qui est très forte, qui est très intelligente. Faut pas nier l'évidence. Mais il y a un paradoxe énorme, c'est que on en a peur, on les craint. Vraiment, on les craint. Tout le monde les craint, parce qu'on sait de quoi ils sont capables. En dehors de leur nombre, un Chinois. Pense d'abord au business. Ok. Vous savez que dans les anciennes civilisations,
les deux civilisations qui ressortent, les plus anciennes, sont les Chinois et les Hébreux. Mmh. Et quand on regarde bien, ce sont des civilisations qui sont vouées au commerce. C'est comme ça, c'est inscrit dans l'histoire du monde. Donc cette Chine, regardez, elle ne s'est jamais arrêtée de produire. Pour répondre un peu à votre question, de mauvaise qualité, certes, mais on en a partout. Quand on va à Lourdes et qu'on retourne une Sainte Vierge et qu'on voit Made in China, je dirais presque que c'est un sacrilège. C'est à nous, hein, de, encore une fois, de choisir, de réguler, d'apporter sa propre contribution. Je pense que les choses peuvent être aussi gérées. Tout n'est pas perdu, Nathalie. Il faut montrer aux autres, à nos adversaires potentiels, qu'on peut leur montrer que le Made in France est tellement merveilleux de chaque région gastronomique, que ce soit culinaire et tout le reste. On peut fait leur des montrer, belles choses, ouais. On peut ouais. les défier. On peut les défier. Seulement, s'il y en a un qui appuie sur le nucléaire, évidemment, ça va faire boule de neige. Mais les uns, l'un dans l'autre, en fait. Mais la Chine ne va pas gêner. Hein. Ça, je peux vous dire qu'elle ne va pas se gêner. Mais elle en fait, va pas gêner, en fait, surtout c'est le gaz toxique. Ça, je le vois. Hein. Ah. À un moment donné en cours, ça va revenir. Donc, d'autres menaces que l'arme nucléaire, finalement. Ça, c'est des nations qui sont avides de pouvoir, Nathalie, qui font frémir parce qu'ils sont tout le temps en train de préparer. Ils sont en train de préparer leur guerre en sous-marin, silencieuse. Donc, préparons-nous. Merci beaucoup, Michael, pour ce J'entends sujet. Plus. Sur... Oui, il y a une petite coupure de son déjà encore. Oui. Vous comme m'entendez à chaque fois. Moi, je vous entends, oui, je vous entends bien. Oh, j'entends plus. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe? Ces problèmes de son. Allez, j'ai perdu de nouveau Mika, j'ai perdu la connexion. Enfin, ça va nous laisser le temps de méditer sur ces propos de Michael, justement, par rapport à ce conflit en Russie. C'est vrai que c'est pas toujours. Les personnes qu'on croit qui sont finalement dans la guerre ou dans le conflit, et comme là, Michael nous l'a dit, il peut y avoir d'autres acteurs qui rentrent aussi en ligne de compte. Donc, l'avenir nous le dira, comme on dit, hein, et on verra comment tout cela va s'avancer. Le sujet suivant, Michael, je pense que vous m'entendez bien, vous êtes revenu, tout va oui, bien. Oui, c'est bon, je suis là. Super. Il faut savoir quand même que je suis au Sri Lanka pour que les gens comprennent. Oui. On avait de temps en temps des problèmes de caméra qui figent aussi, mais bon, voilà, l'un dans l'autre, on y arrive. On va y arriver. Le sujet, l'avant-dernier sujet pour ce soir, c'est un sujet qui est lié au carburant, justement, et peut-être à tout ce qui touche voilà, l'arrivée de ces voitures électriques et l'avenir peut-être de ce carburant aussi. Quelles sont vos prédictions à ce sujet? Alors, on va dire que, voilà, alors le carburant, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est pour moi un peu l'équivalent des cigarettes pour le gouvernement. Ça rapporte beaucoup d'argent, énormément d'argent. Et ça paye, c'est vrai, des choses qui sont importantes pour, on va dire, pour l'économie d'un pays. Il ne faut pas se voiler la face. Si on met tout de suite l'électrique, d'abord, on sait très bien que ça ne sera pas possible. Donc, moi, je vois une prédiction quand même pour 2035. Hein. Ce n'est pas tout de suite. Donc, on a encore une douzaine d'années. Et... moi, je pense qu'on n'est pas encore complètement prêt à être avec ces véhicules hybrides et tout ce qui est voilà, recharge électricité et tout. D'autant plus que ce qui est un peu encore paradoxal, c'est que l'électricité, on en manque. On n'en parle pas, mais on en manque. Alors, on va jouer sur le fait que des pays comme, on va dire, les pays du Golfe Persique, qui sont très gros producteurs, aussi comme le Venezuela, qui sont des gros producteurs de pétrole, les États-Unis aussi, n'ont pas envie que ça s'arrête. Donc, je ne crois pas que, enfin, je ne ressens pas que ça va être comme ça. Là, on est en 2023. Pour moi, ceux qui me disent en 2026 ou en 2028, on sera tous avec des véhicules électriques, c'est totalement utopique. Donc, je fais une prédiction pour 2035 parce qu'il y a encore bien pour moi une douzaine d'années. C'est pas… Alors, bien sûr, il y aura des gens qui… On a déjà d'ailleurs qui roulent à l'électricité, mais on a combien au niveau pourcentage, Nathalie? Qu'on se le dise. Aucune idée. Moi, je pense qu'on est à peine à 12-14%.
Une dizaine pour cent. Donc, Du voyez, coup, on a quoi? ça vaut quand même encore le coup d'acheter une voiture thermique? Oui, Parce que oui. 12 ans, c'est Ben, long, mais regardez, c'est c'est pas ça, long en madame. même Si temps. c'était vraiment, si c'était vraiment le sujet le plus important qui soit, vous ne croyez pas que le gouvernement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec toutes ces histoires de prix du carburant et tous ces blocages et tout ce qui est, voilà, tout ce qui est en rapport avec cette crise un peu du carburant, bah, il y a longtemps qu'on aurait débloqué des choses pour dire il y en a marre, et puis hop, chacun a sa voiture électrique, et on n'en parle plus, plus personne ne fait la queue. Mais regardez, dès qu'il y a un problème, le nombre de personnes qui fait la queue pour aller chercher son carburant, on se battrait même pour remplir ses jerrycans, donc ce n'est pas d'actualité. Ce sont des choses qui. C'est comme Internet, tout le monde pensait derrière son écran, on allait tous être riches, on allait tous aller avoir une vitrine, que la vie serait beaucoup plus facile. Regardez Internet, bien sûr que ça nous rend peut-être la vie peut-être un peu plus facile, mais tout ne passe pas par Internet. Donc, il y a encore quelques temps à attendre pour que ce carburant soit remplacé, qu'on arrête de se le de mettre. En fait, il y a des gens, si vous voulez, Nathalie, alors moi, j'aime pas ce mot-là, hein, qui devient très embêtant, qui devient, enfin, qui est permanent. Bon, on appelle ça les influenceurs, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui poussent tout le temps, notamment les médias, à un petit peu ensorceler les gens en leur mettant plein d'images négatives dans la tête et en leur faisant croire que il va y avoir ceci, il va y avoir cela, dépêchez-vous, prenez conscience de ci, prenez conscience. Non. De tout temps, les médias récupèrent certaines informations, les amplifient. Et puis quand on regarde bien, quand ça passe en boucle comme ça pendant des heures, on est à moitié abruti, on change de chaîne, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont équivalentes, mais d'autres qui sont différentes aussi. Donc, je crois que dans le gouvernement, ils savent bien ce qu'ils font. Il y a de la spéculation là-dedans. Encore aussi pour la Russie. La France, qu'on se rassure, elle a ses réserves. Autant pour le carburant que pour les céréales et que pour toutes sortes de choses. On a déjà prévu au moins 4-5 ans devant. Donc on arrête de faire de la spéculation, de rendre les gens complètement fous, d'aller vider des rayons de supermarché qui manquent du sucre, qui manquent de l'huile. C'est ridicule. C'est ridicule. Rien à voir avec tout ce qu'on entend. Il faut bien se dire, Nathalie, le carburant, on en a encore besoin. Alors, le pétrole, justement, il est aussi très source de pollution, de plastique, parce que c'est un dérivé, le plastique du pétrole, tout le monde le sait. On peut aussi s'en servir intelligemment. Encore une fois, à condition de savoir aussi le gérer. Mais on ne sait pas, on n'a pas de limite. Voilà, on le soutire de la terre, on le, voilà. Ensuite, on le purifie, on le, voilà, on le rend Après, sur la la terre. question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir encore justement ce carburant fossile? Parce que on parlait tout à l'heure au début d'émission de la planète, de la Terre, etc. C'est vrai qu'aller chercher le pétrole au Groenland ou je sais pas où, dans des zones qui sont souvent protégées, c'est peut-être aussi un peu pas forcément idéal pour la planète, non? Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez raison de dire ça, Nathalie. Ce que vous venez de dire est très important. Mais vraiment, je vous dis bravo. Parce que regardez, s'il n'y avait pas d'avenir pour le carburant, qu'est-ce qu'on irait encore aller chercher sur la calotte glaciaire des endroits vierges où on sait très bien que ça va être totalement destructeur pour la planète? On le sait. Alors là, pour le coup, ce n'est pas une prédiction, c'est une évidence. Donc, s'il n'y avait pas d'avenir, vous croyez que certaines nations vont se permettre, quand on sait ce que coûte de créer des gisements, hein, justement d'aller les exploiter, mais ça coûte des fortunes avant que ce soit rentable. Donc, si on sait qu'il n'y avait aucun débouché, aucun avenir, je dirais, on n'irait pas. On est toujours en train de chercher en mer, partout, 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 là où on peut exploiter, on le fait. Donc, il y a encore un avenir pour le carburant. Là, vous venez de donner une réponse tout à fait vérifiable. Ok.
Merci pour ce retour, Michael. Je vous propose qu'on aborde le dernier sujet, peut-être le plus attendu de cette soirée spéciale prédiction, enfin, puisque vous allez nous parler de la réforme des retraites qui soulève beaucoup de polémiques en ce moment, beaucoup de sujets d'actualité. On voit hein, comment ça se passe dans toutes les grandes villes de France avec toutes ces manifestations, les poubelles qui brûlent, les voitures qui brûlent partout dans toutes les villes. C'est vraiment le sujet du moment. Et peut-être justement essayer de faire le lien avec la position de Macron aussi, cette politique qu'il a, ne pas vouloir faire volte-face. On va commencer peut-être par justement notre cher président. Alors déjà, ça fait déjà presque. Alors il y avait déjà le premier quinquennat où on me disait tout le temps il va sauter. Moi je disais toujours il ne sautera pas. Et il ne sautera pas non plus pour le deuxième quinquennat. Par contre, ce que je vois, c'est beaucoup de remaniements ministériels. Ça, je le vois énormément. Et après, on parlera bien sûr des retraites. Mais en ce qui concerne notre président, donc Emmanuel Macron, il va être, on va dire, un des derniers présidents, je dirais. Parce que justement, après Macron, il y aura encore une République, mais après, c'est terminé. Alors, il y en a qui m'ont ri au nez. Aujourd'hui, on me rit moins au nez quand je parle de monarchie moderne. Ça, c'est très important de le signaler. Il y aura une monarchie en France. C'est quoi une monarchie? Ben, c'est une royauté. Comme il existe déjà, et que ça continue, que ce soit même en Espagne, il y a la reine d'Espagne, elle existe. Il y a la reine aussi en Belgique. Hein? Donc, les gens en ont marre de tout ce système qui ne convient plus, qui est archaïque. Il faut savoir aussi, Nathalie, c'est très important de le dire. Beaucoup de gens le savent, mais beaucoup de gens oublient que nous avons des lois qui sont encore soumises sous des lois napoléoniennes. C'est-à-dire que depuis 17 ans, je ne sais combien, on a toujours des lois qui sont là. Alors, de temps en temps, on fait évoluer les lois et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis les retraites après, vous allez comprendre tout de suite. Parce qu'en fait, eh bien, des lois qui n'évoluent pas. De temps en temps, évidemment, et ça se bouscule à l'Assemblée nationale, on vote des lois, mais il y en a très peu d'appliquées, en fait. Donc, pour revenir à ces histoires de retraite qui rend un petit peu la France dans tout ce bouillonnement, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, qu'on s'y attend, il n'y aura pas de miracle possible. Et je vois surtout, je peux même m'adresser. J'aimerais bien dire son nom, mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Sur cet homme, justement, de la CGT, qui réunit toujours toutes ces manifestations, il obtiendra très peu de résultats, Nathalie. Pour la simple et bonne raison, je vais vous dire pourquoi. C'est très mathématique pour lui. Pour le coup, mathématique, ça sert quand c'est utilisé à bon escient. Bah, il y a de moins en moins d'actifs. Et on va venir, pardon, comme aux États-Unis, à des caisses privées, comme des mutuelles. Celui qui payera pendant des années des caisses privées qui n'ont rien à voir avec des gens qui ont cotisé 40 ans. Si les gens ont payé pendant 35 ans ou même 20 ans et qui n'ont même presque pas travaillé, eh bien c'est comme ça qu'ils auront peut-être leur retraite. Maintenant, ce qui concerne les retraites actuelles, si on se bat pour 1 an ou 2 ans, je peux concevoir. Mais on sait très bien que même quelqu'un à qui on donnera 1 200 euros, Nathalie, aujourd'hui à moins même d'être propriétaire, même qui puisse aussi cultiver son propre jardin, très difficile de vivre aujourd'hui avec 1 200 euros. Je me demande comment les gens font pour s'en sortir avec même 1 200 euros, et je rajoute en étant propriétaire. Donc c'est encore de la foutaiserie pour moi. C'est vraiment de la foutaise. Ça veut dire que les retraites ne vont pas évoluer. Tant pis, ça va continuer à exploser. Regardez, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu dans les années 60, hein, vous savez ce qui s'est passé. Bon, on a décroché les pavés, tout le monde s'est battu, et puis les choses sont revenues en ordre. Donc cette prédiction de retraite, non, faut pas s'attendre à ce que les gens ont. Alors, on devrait d'abord commencer à diminuer les prix. Comme ça, il y a un équilibre encore là. Et puis peut-être se dire que les gens, malheureusement, ils savent très bien que ceux qui arrêtent même à 65 ans auront besoin de faire quelque chose à côté. C'est obligé. Obligé. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir peut-être, après sa retraite, de se trouver une occupation, peut-être, on va dire, qui est momentanée. Je ne vais pas dire
avec 8 heures par jour qui va être, on va dire, de temps en temps. Hein, quelqu'un qui va travailler 3-4 heures par jour, 3 fois par semaine, on sera obligé. C'est la solution que je vois, c'est ce qui va se produire. Et surtout, Nathalie, vous allez voir que le gouvernement va changer ses ministres pour faire du zèle, en disant peut-être que l'autre, il va apporter la solution qui n'a pas été trouvée. Ça va faire gagner du temps à son quinquennat. Mais ça ne va pas résoudre les retraites. Donc, pour bien qu'on comprenne ce que je suis en train d'expliquer, Nathalie, pour que les choses soient claires, ça va encore exploser, imploser. D'ailleurs, je l'avais dit le 5 décembre, avec Annabelle, on avait vu ça, qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont descendre dans la rue. Et ça va continuer. Alors, c'est peut-être pas que ça que je vois. On risque... Et là, Nathalie, je sais pas si... Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose qui est un petit peu... Oui, allez-y. Un peu grave, on peut ? Oui. On va mettre les guillemets. On va, voilà. On va mettre des guillemets. Je pense que... Tout à l'heure, on avait parlé des famines. Et ça, ça n'a rien à voir. Hein. On va être quand même épargné en France. Mais en France, ce que je vois quand même des mini. Mais quand même. Des mini guerres civiles. Il y aura. Il y aura parce qu'il y aura trop, si vous voulez, il y aura trop de différences entre les classes sociales qui, d'ailleurs, on le sait, il n'y a plus de classe moyenne aujourd'hui. On va arriver comme à l'époque des rois, les serfs, c'était quoi les serfs, les paysans, et les bourgeois, ceux qui étaient à la cour. Donc aujourd'hui, on en est là. Sauf que les noms ont changé. Voilà, ça, je le vois. Énormément de pauvres. De plus en plus de pauvres. Ça. Et déjà aujourd'hui, hein, je pense qu'on a déjà commencé ce système-là quand on voit juste des jeunes qui sont étudiants, qui vont déjà pointer au Resto du Cœur parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer, de quoi manger tous les mois. On se dit ben, ils commencent déjà la vie active en étant comme ça sous dépendance de l'État ou d'une organisation quelconque parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Donc, si c'est un jeune qui est déjà dans cette situation, qu'est-ce qui va en advenir des plus vieux qui sont à la retraite, qui ont peut-être aussi peut-être des problèmes de santé, où c'est plus difficile pour eux d'aller travailler aussi parce que on est avec l'âge, on se fatigue. La plupart des personnes ont beaucoup des métiers peut-être où il y a de la pénibilité aussi. Et quand on a 70, 76, 74, 70 ans, à un moment donné, on ne peut plus, quoi. Donc, comment on fait à ce moment-là ? Ben, comment on fait ? Comme je l'ai un peu expliqué, Nathalie, il ne faut pas se voiler la face. On va être confronté, Nathalie, vraiment, à avoir un travail de substitution, quelque chose qui va nous amener. On ne peut pas revenir même à cette histoire à l'époque où on faisait du troc. Hein ? On peut. On essaye, évidemment, aujourd'hui, de voir si on ne peut pas acheter directement au producteur, tout ça. Mais il y a tellement de choses à payer que ce petit salaire ne suffit pas à tout couvrir. Donc, on va être obligé. C'est ça, le véritable avenir de la retraite. Je sais, ça peut faire sourire. Et c'est peut-être encore un paradoxe. De toute façon, je sais que l'être humain est rempli de paradoxes. Donc, dans les prédictions, il faut donner aussi les vérités qu'on ressent. Et Nathalie, le vrai secret, peut-être, tout le monde a peur. En fait, on a peur de quoi ? Ce n'est pas parce qu'on va partir un ou deux ans avant qu'on va avoir une meilleure vie, puisqu'on sait très bien qu'après, on va avoir quoi. Non, je pense que le vrai du vrai dans cette histoire, évidemment que ça met tout le monde en rage, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent avec des sommes minables, tout juste à payer, à peine, à survivre. Mais il faut se dire que pour ceux qui ont la chance, j'ai bien de la chance, car la santé, c'est évidemment le plus grand, ce qu'on a de plus important en nous. Moi, je sais par exemple que je continuerai, vraiment je le dis aujourd'hui, même si je suis parfois écœuré de la manière dont on traite notre profession, ça je tiens aussi à le dire, comme Kalissa, elle a tout à fait raison, vraiment là je lui donne vraiment chapeau bas, parce que je continuerai à aider à ma manière, et je sais que les gens qui viennent nous voir ont besoin de ça, ont besoin, on est peut-être l'antichambre de certaines dérives. Quand je te parle de dérives, je ne parle pas d'argent. Je parle des dérives de dépression, de laisser aller, de mourir aussi. Donc, je continuerai à travailler. Peut-être à une différente cadence, mais je travaillerai. Tant que je peux, je le ferai.
Je m'en fous de l'âge. Moi, si je m'arrête aujourd'hui, je vais avoir combien? 1000 euros aussi, peut-être par mois. Mais aujourd'hui, 1000 euros, ça ne me paye même pas le billet d'avion. Il faut être sincère. Donc, on arrête de mettre ça dans la tête aux gens, de leur donner du rêve en disant que même à 64 ans, nanana, c'est pas 2 ans, Nathalie, qui vont changer une vie. Je comprends, comme vous l'avez dit, les gens veulent s'arrêter, ils en ont marre, ils sont épuisés. Non. Ce qu'il faut surtout, c'est de se dire, est-ce qu'il y a peut-être moyen d'avoir peut-être de s'intégrer à quelque chose après. De toute façon, le travail, c'est une identité, Nathalie. Quand on aime ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer. On le voit pas. Oui, mais peu de gens sont dans un métier où il y a la passion qu'on aime. Généralement, on fait un métier pour payer ses factures, pour payer son loyer, etc. Et ce qui est dommage, en France ou peut-être même dans d'autres pays, mais en tout cas dans notre civilisation, dans d'autres époques, c'est qu'on oublie finalement que la vie, finalement, elle est faite pour profiter, pour être dans le plaisir, dans l'amour, pour s'élever, etc. Et on se tue au travail, finalement, pour des choses matérielles qui, quelque part, nous empêchent aussi, quelque part, de prendre conscience de certaines choses, quoi. Mais on est obligé de passer par là parce que c'est la société qui nous contraint à ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne vit plus pour vivre, on vit pour travailler. On n'est plus que métro, boulot, dodo, même si on n'est pas dans les grandes villes, on est dans cette contrainte-là, on vit pour travailler. Et c'est vrai que moi, j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui ont peu de revenus et qui me disent « mais je n'arrive plus à profiter de mes petits-enfants, je n'arrive plus à profiter de ceci, de la famille, je ne pars plus en vacances, ça fait 5 ans que je ne peux plus faire ceci, cela. Les gens ne peuvent plus payer un resto, ne peuvent plus aller au cinéma, c'est devenu tout est hors de prix. Même acheter un simple magazine, un simple livre, c'est devenu hors de prix. » Donc, on peut comprendre peut-être cette grogne des gens aujourd'hui face à ça, mais c'est vrai que, comme vous l'expliquez, peut-être qu'on n'aura pas d'autre solution que de continuer comme ça, finalement. Alors, ça va continuer, Nathalie, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que, puisqu'on parle des retraites encore ce soir, regardez, Nathalie, si on regarde tous les... Alors, je ne défends absolument aucun président, hein. Voilà, hein, qu'on sache, voilà. Mais quand on regarde les présidents qui se sont succédés, qui a trouvé la solution aux retraites? C'est tout le temps la même chose. À chaque quinquennat, ça revient sur le tapis. Qui a trouvé vraiment? Alors, on essaie de calmer le jeu. On augmente un peu. On leur donne un petit peu. Voilà. On va calmer en disant, mais la pauvre dame qui avait 1200 euros, qui se retrouve avec 1244 euros, qu'est-ce qu'elle va faire des 44 euros de plus? Hein, elle va peut-être manger peut-être un pain au chocolat une fois par semaine de plus. Donc, c'est ridicule. Donc, le vrai, ça, je le ressens. Ça, c'est une prédiction importante. Que beaucoup de gens me la posent, cette question. Encore une fois, je ne veux pas choquer les gens. Tout ce que vous avez dit est tout à fait vrai, Nathalie. On est épuisé par le travail. On vit pour travailler et on travaille pour vivre. Donc, c'est un cercle vicieux. À quand le plaisir? À quand la relaxation? À quand avoir le plaisir de regarder ne serait-ce que les bourgeons sur un arbre comme en ce moment? Donc, je crois que On doit accepter, si on a la chance, encore une fois, d'avoir cette santé un petit peu, de pouvoir avoir une activité à côté ponctuelle. Ponctuelle, j'aime bien ce mot. Ponctuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé de passion où les gens n'ont pas toujours la chance de vivre de leur passion. Mais par contre, ils peuvent peut-être choisir quelque chose qui sera un plus et qui pourra peut-être combler, que plutôt d'espérer, malheureusement, j'ai bien dit d'espérer, tous ces gouvernements qui ne racontent que des histoires, et les uns comme les autres, une fois qu'ils sont au pouvoir, vous savez, toutes les promesses qu'on nous fait, c'est tellement hallucinant, quand on regarde après le peu qui est tenu, on a envie de rire, on se dit, mais vraiment, ils se fichent de nous, mais tout le monde le sait, et chaque fois, c'est pour ça que je vois aussi ces histoires de monarchie, parce qu'on en a marre. Les gens ne savent plus sur qui compter et à qui, pour qui voter.
Donc, on est arrivé à une saturation. Et les gouvernements sont très embêtés parce qu'ils n'ont pas vraiment la solution. Ils n'ont pas, Nathalie, la solution. Je vous assure qu'ils ne l'ont pas. Là-bas, à Bercy, ils font leur compte du matin au soir, jour et nuit. Et ils savent très bien que les millions, il faut les trouver quelque part. Les millions d'euros, il faut les trouver. Alors, on va augmenter ceci, on va augmenter cela. Et ce qui fait qu'il y a tout le temps des déséquilibres. Puisque le peu qu'on augmente dans les retraites, même dans les salaires, ne suffisent plus. Tout le monde le sait. Les prix, comme vous l'avez dit, sont exorbitants. Moi, ce qui me choque le plus, mais vraiment le plus au niveau des prix, ça me tue, mais vraiment quand je vois ça, c'est le prix des matières de première, enfin, des produits de première consommation, de première nécessité, pardon. Hein, comme le lait, le pain, tout le monde a envie de prendre son petit déjeuner normal. Et quand on voit des gens qui sont obligés de se priver, de prendre des horreurs, des substituts, qui ne sont même pas des produits, je veux dire, qui sont remplis de produits chimiques. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus les moyens. Donc, le travail pour lequel on a cotisé ou on n'a peut-être pas cotisé. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit à moi, Mickaël, j'ai été au fond du magasin, mon mari ne m'a pas déclaré. Et je me retrouve avec presque rien. Ces pauvres femmes, il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Vous savez, on a l'image de la boucherie où il y a la femme qui a la caisse, qui a encaissé les tickets. Et ces gens-là n'étaient pas tout le temps, même dans les poissonneries, je le sais, ça. Hein, souvent, c'est dans les métiers de bouche. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Eh bien, qui ne sont pas toujours justement contrôlés, ces femmes, elles se retrouvent avec des retraites minables. Alors, elles me le disent. Mickaël, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, on a une question intéressante. Je m'excuse, Mickaël, de Kaitsa. Vous parliez tout à l'heure de cette approche de la monarchie qui viendrait remplacer la République. Oui. Et elle nous demande justement, qu'est-ce qui va changer finalement d'être sous une monarchie ? C'est une question très belle, très bien. Ce qui va changer, je pense que quand on a une royauté, alors, je vais parler des nouvelles monarchies, on ne va pas parler des anciennes. Je pense que la monarchie va équilibrer dans le sens où on va peut-être partager les ressources, partager aussi les richesses. Ça, j'y crois. J'y crois vraiment. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein ? Quand on va déjà pour obtenir un logement, il y a des gens qui attendent des fois, je ne sais pas combien de temps. Donc, il n'y a pas un partage. Voilà. Je pense que la monarchie moderne, encore une fois, j'aime beaucoup cette question. Elle m'implique. Nathalie, je crois qu'un renouveau est toujours nécessaire de toute façon. Donc, celui qui va être monarque, hein, pour le coup, roi peut-être, je ne sais pas comment on va l'appeler, va vraiment faire en sorte que sa population manque le moins possible de confort. Voilà, je pense que c'est ça. Regardez tous les présidents aux États-Unis. Ils n'ont même pas été fichus un seul de faire des protections sociales pour la santé. Les États-Unis. Alors, on peut dire quand même qu'on n'est pas si mauvais que ça, nous. Tout le monde aujourd'hui peut se dire que même dans la rue, on le ramasse et on l'amène à l'hôpital et plus ou moins on va le soigner. La monarchie va servir à ça. Elle va servir à un renouveau et on va balayer peut-être, c'est ça qui va être intéressant, toutes ces lois napoléoniennes qui ne servent plus à rien, qui ne sont plus d'actualité. Je voudrais juste revenir à une chose qui n'a peut-être rien à voir avec les retraites, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, vraiment, énormément, le live de Kalissa, parce qu'elle a dit des choses que très peu osent, surtout dans ma profession. Et je reviens à elle parce que elle a dit une chose qui m'a beaucoup interpellé. Elle a parlé des... Quand on paye son URSSAF ou son RSI, là, on est des clients, entre guillemets. Excusez-moi du terme, Nathalie. On est des clients potentiels. Même si on nous accable d'adjectifs très, très mauvais, très... Voilà. Et elle a bien fait la distinction entre les uns et les autres. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est par rapport à son encadrement de la profession. Pourquoi nous, dans cette profession, on serait qualifié d'escrocs, de voleurs, de tout ce qu'on peut imaginer, alors que, excusez-moi, j'espère qu'il y a des avocats, des notaires, hein,
et des huissiers qui nous écoutent. Parce que moi, j'adore parler de ça, j'adore ça. Je sais qu'il y en a des excellents qui font leur métier avec beaucoup, vraiment, de conscience professionnelle. Mais on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on sera confronté à ces corps de métier obligatoires. J'ai bien dit obligatoires. D'une succession, d'un décès, d'un achat. On sera obligé d'avoir un jour un avocat qui nous défend, un notaire pour les successions, pour une vente, et puis ces huissiers qui peuvent nous courir après pour des choses qu'on ne paye pas ou je ne sais quoi, ou des expulsions. Ça, j'en ai beaucoup, j'en entends beaucoup de ça. Et pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils ont justement la référence de représenter la loi. On les respecterait plus. Et à quel prix? Et à quel prix financier? Alors, ceux qui le font avec beaucoup de conviction, super. S'ils méritent leur argent, tant mieux. Mais si des médiums et des voyantes et des voyants méritent leur argent, on ne doit pas les traiter d'escrocs. On doit aussi se dire que ces gens-là ont un rôle à jouer. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle. Ça n'est jamais pour rien, Nathalie. À 2h du matin, personne ne va vous répondre. Personne. Peut-être même pas votre propre famille, qu'on n'osera peut-être pas raconter sa propre vie. À nous, on peut se déverser. On est blindé. On a l'habitude. On a l'habitude, Nathalie. Mais on ne s'imagine pas à quel point notre esprit, nos cellules, nos neurones en prennent aussi un coup. Chaque fois qu'on consulte quelqu'un, je vous assure, Nathalie, pour celui qui le fait vraiment avec son cœur, on prend sur nous comme une éponge. Évidemment, le cerveau, il enregistre et il n'a pas non plus toujours le système pour tout balayer. On n'appuie pas sur la touche supprimer. Il y a forcément des séquelles. C'est pour ça que la plupart des gens qui font notre métier, soit ils vivent seuls, soit malheureusement, ils sont aussi, il faut en parler, dépressifs. On n'en parle jamais. Mais ils ne peuvent pas se raconter eux-mêmes parce que c'est vraiment le chat qui se mord la queue. Hein, comme le, on va dire, le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, on a un rôle à jouer dans la société. C'est pour ça que si on est encadré et qu'on dégage tous ces gens qui nous font du tort à consulter à des prix, à modiques, à des 20 euros pour attirer des gens, pour les mettre dans des listings et leur balancer après, les harceler pour leur dire « Ah, ben demain, vous allez gagner ici. Ah, ben après-demain, vous avez peut-être votre mari qui vous trompe. » Tout ça pour… C'est pas ça, la voyance. Ouais. La voyance, c'est une aide. La voyance, c'est quelque chose de personnel avec beaucoup, mais vraiment beaucoup, Nathalie. Il faut le répéter. Beaucoup de responsabilités à endosser. Oui, c'est sûr. Ça fait 27 ans. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Pardon? Il y a Kalissa, justement, il faut faire attention à ce qu'on dit dans ce métier. Il y a Kalissa, justement, qui répond en disant « Oui, on doit être reconnu pour notre travail fourni et on doit nous aider à protéger les consommateurs des escrocs. » Exactement. C'est vrai, elle a raison. Et puis, encore une fois, qui ose en parler? Pas beaucoup de monde, très peu de gens. Tant mieux si les gens vont sur des audiotels, s'ils ont des réponses. Nathalie, s'ils ont des réponses, qui leur convient. Non, mais c'est très important ce que je vais dire ce soir. Le principal, c'est que celui qui fait de la voyance doit être dans une relation d'aide. À la base, c'est ça. Et on ne peut pas de toute façon être un bon médium ou une bonne voyante si on n'a pas un brin de psychologie. On ne peut pas être un jour coiffeuse, 3 ans, on fait de la voyance, on s'arrête, pof, on travaille dans une crèche. Ce n'est pas ça, la voyance. La voyance, c'est un investissement personnel. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Si on ne ressent rien, il vaut mieux rien dire. Heureusement, par chance, quand on consulte, on a toujours un ressenti sur quelqu'un. Sinon, on ne ferait pas ce métier. Et c'est un métier, Nathalie. C'est un métier. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas on se tire les cartes, allez, viens, comme une séance d'injection de Botox. Ce n'est pas ça, la voyance. La voyance, c'est sérieux. Il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. D'ailleurs, on regarde bien toutes les dérives de la voyance. Tous ces gens, malheureusement, qui… Moi, je dirais peut-être pas accro, je dirais qui espèrent, en fait, qui espèrent toujours attendre la réponse qu'ils ont dans leur tête ou dans leur cœur. Et c'est ça qui est dramatique. Il faut que les gens acceptent ce qu'on leur dit.
À partir du moment dans lequel vous faites confiance à votre boulanger, vous mangez votre pain sans vous méfier de ce qu'il y a dedans. On est d'accord? Donc, si ouais, on fait confiance à un médecin, il faut savoir aussi, tiens, en parlant de ça, les gens ne savent pas toujours. Il y a plus de 40% d'erreurs médicales en France. On n'en parle jamais. Le corps médical est très protégé. Et les uns et les autres. Vous ne pouvez pas attaquer un médecin par rapport à un autre médecin. Ils sont tous. Tant mieux. Contrairement aux voyants où souvent on se tire dans les pattes. Donc, 40% d'erreurs médicales. Vous allez voir trois médecins différents parce que vous avez mal au ventre. On va vous donner peut-être trois diagnostics différents. Donc, la voyance, c'est un peu pareil. Soit on fait confiance à son médecin. Et moi, je me considère aussi, tous ceux qui font mon métier, ce sont des médecins de l'âme. Et l'âme, c'est une chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est quelque chose qu'on perçoit, qu'on ressent, qu'on... Voilà, c'est difficile, c'est une alchimie. Et quand on perçoit, quand on ressent, on peut sentir, on peut aider vraiment à stopper des choses très graves dans l'esprit des gens. Dans le cerveau, ils s'en passent des choses. Ils s'en passent des choses. C'est clair. On est un être complexe. L'être humain est un être complexe. Si je peux me permettre, je prends juste 2 minutes pour profiter. Kalissa ne me dira si je me trompe ou pas, mais je crois d'ailleurs qu'elle est en train de lancer une pétition justement à nos députés pour réglementer cette profession de voyant, médium, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de Kalissa. Je crois qu'on peut retrouver sur son site la pétition. Signé. Voilà, que vous pouvez signer en faveur de cette demande qu'a formulée Kalissa, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Michael, aussi, pour toutes ces prédictions, ces sujets. Avec un grand plaisir, vraiment. Voilà, qui sont parfois peut-être un peu difficiles. Je voulais juste faire une petite finalité, Nathalie. Oui, bien sûr. D'abord, je remercie beaucoup Stanislas Delorme qui puisse permettre à des gens de notre métier, de s'exprimer comme ça en direct. C'est tellement important de parler aux gens et que les gens puissent aussi avoir un avis personnel, mais aussi un avis qui n'est pas toujours négatif, qui doivent comprendre que le guide de la voyance est une... Je vais peut-être pas exagérer sur les thèmes, mais je considère quand même comme maintenant une petite institution, au même titre que l'INAD, et comme les salons parapsies, comme les choses qu'on a créées depuis toutes ces années. Moi, je suis un peu à l'ancienne, je me considère comme un artisan. Donc, je remercie Stanislas et je vous remercie beaucoup, Nathalie, pour... Vous avez une manière d'interroger, vous avez une manière de passer comme ça, comme un espèce de fluide. Vous avez cet art et... qui n'est pas donné à tout le monde, et c'est vrai. Et je me dis que vous êtes une passionnée. On le ressent, les gens le voient bien quand vous parlez aux gens. Donc, il faut comprendre que les gens qui font notre métier, il y a aussi des gens corrects, honnêtes. Et je répète cette phrase, il n'y a pas que des gens qui escroquent. Parce qu'on ne parle jamais des gens qui ont été sauvés. Moi, j'ai sauvé des personnes, je peux le dire, parce que j'ai eu des retours. J'ai sauvé des policiers, j'ai sauvé des infirmières, j'ai sauvé des prostituées qui ont des métiers très compliqués, très complexes, très paradoxaux. Et on me l'a dit, j'ai failli mourir, Michael. J'aime pas qu'on dise que c'est grâce à moi. Je dis simplement, c'est que on s'est rencontrés, peut-être dans des bons moments, dans les moments qu'il fallait. Donc, quand on a la chance de croiser deux belles âmes qui peuvent s'entraider, que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute, que ce soit même une coiffeuse, deux âmes qui connectent. C'est le véritable amour. Voilà. J'espère que les gens vont pouvoir choisir les gens qui sont faits pour eux. Et puis ceux qui n'ont pas besoin de consulter, ne consultent pas. Il y a des moments où on a envie, des moments où on n'a pas envie. Puis on n'est pas obligé de consulter quand on va très mal. Moi, on me consulte, est-ce que je vais vendre ma maison? Donc voilà, je leur dis, ce n'est pas le moment. Je leur dis, attendez un peu, vous allez... Et heureusement, parfois, ça s'avère. On peut gagner 40 000 euros avec moi des fois. Hein, quand je dis, au lieu de vendre 260, allons-y pour 310. Alors... sert à quelque chose, je le pense. J'embrasse oui, vraiment plus. Tout le monde. Merci j'espère beaucoup. J'espère surtout que mon message pour la terre et les animaux et les végétaux et l'être humain sera vraiment... sera passé. Oui, et puis que ça va être surtout une continuité, que ce ne soit pas dans les oublis.
C'est noté. Merci beaucoup, Michael, pour ces prédictions sur cette année et à venir. Alors, juste petit rappel, il y a dans le chat, j'ai vu passer une question à plusieurs reprises qui était demandée par rapport à la monarchie dont tu parlais tout à l'heure. Ah, ça intéresse beaucoup cette monarchie, dis Oui, donc. c'était de savoir dans combien de temps, si j'ai bien entendu, c'était d'ici 3 ans, c'est ça? Alors non, j'ai Non? expliqué que, d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre aussi, ah je voulais tiens, faire une petite aparté Nathalie, c'est très important, je vais répondre tout de suite à la monarchie. Je voulais quand même vous dire que le livre que je vends maintenant sur mon site, il est à 10 euros puisqu'il est à télécharger. Le Je voici, le l'offre pour les voilà. gens qui consultent. Il faut savoir que tous les bénéfices de ce livre, tout, vont aux animaux en grande détresse. Il est traduit en 3 langues et je ne prends rien pour moi. D'ailleurs, je ne regarde même pas les ventes. C'est mon combat aussi. Et j'espère que des gens vont pouvoir m'aider pour cette détresse animale. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Et je fais un grand bonjour à Brigitte Bardot, qui, elle, est vraiment une madone des animaux, avec tout ce qu'on peut dire malheureusement sur elle de mal. Elle est un exemple, un exemple. Elle a tout laissé matériellement pour se consacrer. Ça, c'est un beau passage sur Terre. Elle a réussi son passage à se dématérialiser. Et j'en prends un bon exemple. Donc, pour cette monarchie, il reste, je crois, 3 ans pour Macron. Il ne repassera pas. Il faut savoir que si jamais Édouard Philippe s'était présenté, il serait passé. Il serait passé. Il faut savoir qu'en France, une femme n'aura pas malheureusement de chance de passer présidente. C'est pour ça que Marine Le Pen n'est pas passée. Il faut le savoir, tout ça. Si on regarde bien mes prédictions antérieures, surtout dans le journal quotidien, je l'ai dit, tout ça. Donc, pour en revenir à cette monarchie, Nathalie. On m'écoute toujours? Toujours. D'accord, merci. On va considérer qu'il reste encore 3 ans pour le règne d'Emmanuel Macron. On va compter encore 5 ans pour le prochain. Je pense qu'il faut attendre 8 ans. Il y aura encore un président après celui-là. Après, les choses vont énormément changer. Énormément. Ça ne sera plus du tout la même politique. À condition que cette Assemblée nationale puisse faire bouger les lois. Et arrêter, qu'on arrête surtout, encore une fois, c'est les lois archaïques sous Napoléon qui bloquent tout au gouvernement. Ça, il faut que les gens le sachent. Le savent, pardon. Voilà. Donc la monarchie, il faut attendre à peu près, je pense qu'il y a, moi je vois 7, 8, 9 ans. Donc il y a 8 ans, en gros, pour que les choses vont vraiment changer. Le prochain va être. Encore une copie, hein. Mais Oui. n'oubliez pas que là, à partir de quelques mois, ça va énormément changer au niveau du gouvernement Macron. Encore à cause des retraites, encore à cause de tout ce qu'on va encore bousculer. Donc, pas un remaniement ministériel. Il y en a trois qui vont sauter, là. Là, c'est. Ah ben oui. La ministre du Parfait. Travail, il y en a trois là, qui sautent, là. Eh bien, Je on vois n'est pas. encore pas sorti de l'auberge, on a encore des choses à voir finalement avec ces gouvernements avant Je la suis content monarchie. que vous mettez mon livre en avant Donc parce que. oui, justement, ce livre, on en a parlé déjà un petit peu. Donc vous pouvez retrouver, donc comme le disait Michael, ce livre en format PDF ou en format e-book à télécharger directement sur son site internet. Je vous rappelle, il est affiché ici à l'écran, mais vous le connaissez, c'est www.michaellevymedium.com. Vous l'aurez aussi directement en lien sous cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour accéder à ce livre. La totalité des ventes de cet ouvrage est reversée justement à une fondation qui aide les animaux qui sont dans Alors, une ce n'est pas grande une fondation, détresse. Nathalie. Oui. C'est C'est. des refuges que j'aide. Ce sont des gens qu'on ne voit pas. Ce sont des gens qui sont dans D'accord. l'ombre. Donc, ce sont des refuges très importants pour moi, les refuges, parce qu'on ne se rend pas compte du nombre d'animaux qui sont abandonnés. Mais il n'y a pas que ça. J'aide aussi la stérilisation. J'aide aussi dans certains pays, justement la Tunisie et le Sri Lanka. J'ai construit des cabanes aussi pour les chats errants. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et cet argent, parfois, je prends des animaux malheureux, je les soigne et je les place et je donne de l'argent à ces gens pour qu'ils s'en occupent. Parce que je ne peux pas tous les prendre. Eh oui, J'aimerais. c'est sûr.
Après, ça devient comme chez Michael Jackson, là, tu sais, le domaine avec tous les animaux dans le domaine. Je sais plus comment ça Oui, s'appelait sauf que bon son. là, Oui. bon, on va pas faire une polémique là-dessus, mais Oui. je pense que ceux qui aiment les animaux, d'ailleurs, Nathalie, vraiment, je vous raconte pas de bêtises. Le chat, par exemple, le chat. Eh bien, le chat est un animal incroyable. Il ralentit les battements cardiaques. Il apaise. Il apporte une sérénité. Moi, quand je consulte, j'ai mes chats qui viennent, qui froissent le papier, qui me font un câlin, qui me frottent. C'est énorme, comme amour, comme énergie, comme chose exceptionnelle. C'est pour ça que l'être humain devrait penser que ces animaux qui n'ont pas la tête d'un humain sont des êtres comme nous, qu'on doit protéger comme des petits frères. Même une panthère des neiges, on doit la protéger, Nathalie. On doit toute forme de vie, on les protège. Et vous verrez que si on le fait, on aura une véritable. Vous savez que Gandhi avait dit, on mesure la grandeur d'un pays dans la manière dont on traite les animaux. Et c'est pas d'hier ce proverbe. Et j'en suis convaincu. Convaincu. Qu'on arrête de privilégier des chiens de race par rapport à des pauvres bâtards. Tous les animaux donnent de l'amour, à condition de les respecter. C'est tout. C'est tout, le respect. J'espère vraiment que l'être humain comprendra vraiment. Et il s'apercevra que, au lieu de se reproduire comme on fait, de vouloir envahir tous les territoires et de s'accaparer tout au détriment de ce qui considère l'être humain en sous-espèce. Non, ce sont des espèces simplement différentes. Différentes. C'est tout. Ça fait partie du monde dans lequel on vit, pour lequel enfin, c'est une sphère, en fait. Voilà, Ouais. on est une globalité. On est On est une tous globalité. interconnectés. Vous savez, les poissons, Exactement. Nathalie, je l'ai dit la dernière fois, hein. Les poissons comestibles, enfin ceux qu'on mange le plus, sont en train de partir. Il n'y en a presque plus. Eh À oui, méditer. malheureusement, les surpêches, on en revient à ce qu'on disait tout à Énorme. l'heure avec La Chine, la encore la surconsommation, tout Chine, ça. qui s'accapare tout aussi dans les océans. J'ai rien contre Exactement. les Chinois. Je suis sûr je me rappelle quand je faisais des manifestations pour les animaux, il y avait des Chinois qui venaient, qui m'embrassaient, des Chinois, c'est souvent des femmes. Elle me disait, moi aussi, je suis contre qu'on tue les baleines. Je trouvais ça magnifique, mais dans la masse, elles sont perdues, ces pauvres personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut informer, il faut diffuser. J'espère vraiment que l'être En tout humain va cas, pouvoir. le message sera passé ce soir. Merci beaucoup, Michael, pour ces Tout le monde de m'avoir prédictions. Enfin. écouté, et j'espère à très bientôt, et d'avoir des nouvelles, surtout des gens qui sont contents aussi de notre profession. N'hésitez pas. Voilà, comme dit, n'hésitez pas, vous connaissez le site internet de Michael Lévy, c'est www.michaellevymedium.com. Vous pouvez donc y retrouver son livre dont on a parlé tout à l'heure, que je vous remontre ici. C'est le livre sur les nouvelles prophéties mondiales, donc à télécharger gratuitement en PDF ou e-book. Et voilà, c'est les fonds vont finalement être reversés pour aider les animaux, voilà, qui sont En dans grande une plus détresse. grande, en grande détresse aujourd'hui, voilà, justement. Et vous allez retrouver justement toute l'actualité de Michael Lévy sur son site qui est affiché en bas à l'écran, mais encore une fois, vous avez le lien cliquable sous cette vidéo directement, www.michaellevymedium.com. Un grand merci en tout cas, Michael, pour cette soirée de prédiction, enfin, Partagé. avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Voilà, on voit l'avenir qui se dessine, même s'il est un peu compliqué. Oui, Voilà, on j'espère sait qu'on qu'on a a bien une. qu'on a ressenti qu'il y avait des choses Voilà. positives. On On a peut, quand même une on, porte de sortie. Voilà. oui, Il y a toujours des on peut, portes. franchement, on peut. Il faut qu'on s'y mette. Nathalie, il faut qu'on s'y Voilà. mette. Voilà, pour Toujours faire des cette chaîne. échappatoires. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette soirée, pour ces prédictions. Très belle soirée, Michael. À Merci à vous, bientôt. Nathalie. Enfin, Merci bonne vraiment. soirée. Au revoir.
Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir regardés, nous avoir suivis aussi pour ce live avec ces prédictions fort intéressantes avec Michaël Lévy. Je vous rappelle, médium, n'oubliez pas sur son site internet www. Je vous l'ai mis tout à l'heure à l'écran, michaellevymedium.com pour le retrouver dans son actualité, pour aller télécharger son livre, pour aider les animaux, pour que le message ça bien soit passé ce soir. Vous avez été nombreux et nombreuses, il y a eu beaucoup, beaucoup de beaux commentaires. Merci de votre participation, en tout cas à ce live. Et je tenais juste avant de vous quitter, vous rappeler le prochain rendez-vous, ce sera pour ma part jeudi. Prochain jeudi 6 avril à 20h30, où justement on parlera des animaux. Je serai avec Clotaire Guérin, qui est formateur, médium et thérapeute, pour nous parler aussi du rôle spirituel des animaux, parce que c'est vrai qu'on voit souvent les animaux comme des animaux de compagnie qui sont là avec lesquels on peut jouer, avec lesquels on va câliner, etc. Mais ils ont aussi un rôle essentiel à jouer, un rôle spirituel. Et Clotaire, justement, nous parlera de leur mission de vie à nos côtés. Ça sera donc jeudi 6 avril à 20h30. Avec Clotaire, j'aurai l'occasion de vous parler de ce joli sujet des animaux et de leur mission de vie à nos côtés. Je sais que Stanislas a aussi un live prévu vendredi, je crois bien, ça sera avec Sylviane Young, mais je vous en dirai plus jeudi. N'oubliez pas, encore une fois, de suivre l'actualité du guide de la voyance pour en savoir plus. D'ici là, je vous fais de très gros bisous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bye tout le monde.